Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Et voici le sommaire. La République démocratique du Congo a enregistré un excédent budgétaire estimé à 260 milliards de francs CFA pour le premier trimestre de 2018. Un résultat encourageant qui peut être attribué à la rigueur dans la collecte des recettes de l'État. Au Burkina Faso, les autorités lancent une plateforme électronique pour le paiement des impôts et des taxes. Il s'agit d'une solution visant à faciliter les démarches administratives. Cependant, la question de la rentabilité se pose pour cette plateforme qui a coûté 180 millions de francs CFA. Et puis, nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. – 2018, porteuse d'espoir pour l'économie congolaise. Un excédent budgétaire de 260 milliards de francs CFA congolais ont été enregistrés au cours du premier trimestre de l'année 2018. Une embellie attribuée à la bonne politique monétaire soutenue par la rigueur dans la collecte des recettes de l'État. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Amélioration de la finance publique de la République démocratique du Congo. Le pays a enregistré au premier trimestre de l'année 2018 un dépassement budgétaire d'environ 150 millions de dollars. Un résultat attribué à la bonne collecte des recettes publiques. Les performances réalisées augurent un bel avenir de la politique monétaire du pays et permettront par ailleurs la consolidation de la monnaie nationale selon les analystes. Pour ce qui est de l'année en cours, nous serions à 260 milliards de francs congolais d'excédent sur à peu près 3 mois, ce qui représente un peu plus de 150 millions de dollars américains. Une première dans notre pays parce que c'est depuis très longtemps qu'on a réussi à gérer les finances de cette manière-là et dans un contexte difficile de négociations politiques, mais aussi d'amorce du processus électoral. Soutenu par l'embellie des matières premières, notamment le cobalt, dont la tonne métrique a tourné en fin février autour de 83 000 dollars, avec une projection de croissance économique établie à 5 % pour l'année 2018, la République démocratique du Congo pourrait à long terme atteindre 2 000 milliards de dollars de son PIB à l'horizon 2050 contre 45 milliards de dollars actuellement, selon les économistes. Cette dynamique continue à être maintenu pour que, à l'horizon peut-être 2050, que le Congo soit classé parmi les pays à revenus supérieurs, pour ne pas dire des pays assez développés par rapport aux autres États de l'économie. Je ne pense pas qu'il y ait un pays en Afrique qui peut penser à voir son économie prendre un tel bond. Avec un budget autour de 4,3 milliards de dollars pour l'année 2018, très insignifiant quand on considère la dimension du pays et sa richesse, les performances enregistrées au premier trimestre sont des accroissements substantiels de politiques financières et économiques qui placent les pays sur de bonnes perspectives. Celles-ci peuvent, selon les analystes, contribuer à l'augmentation des budgets pour les années à venir. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, la Banque Ouest-Africaine de Développement a enregistré un résultat net bénéficiaire de 13,295 milliards de francs CFA contre 10,548 à la fin de l'année 2016, soit une hausse de 26%. Des résultats positifs approuvés par le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine qui confirment la situation saine de l'institution. Le bénéfice enregistré servira à renforcer les fonds propres de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Au Burkina Faso, la Direction générale des impôts a lancé ce mardi une plateforme électronique de déclaration et de paiement des impôts dénommée e-Syntax. Objectif, alléger et simplifier les procédures de collecte des impôts. Mais pour l'heure, seuls quelques contribuables sont concernés. Cheikh Omar Bandaogo. D'un coût d'environ 180 millions de francs CFA, la solution de paiement électronique des impôts dénommée e-Syntax, lancée par la Direction générale des impôts du Burkina Faso, va dans un premier temps concerner les grandes et moyennes entreprises. Une population de 5 000 contribuables qui contribue à hauteur de plus de 90% des recouvrements de la Direction des impôts. Cette première phase débutera en mi-avril. Par la suite, la plateforme sera ouverte aux contribuables du régime simplifié d'imposition, les micro-entreprises et les particuliers.
Elle doit permettre à la DGI d'améliorer ses relations avec les contribuables en leur offrant de nouveaux services mieux adaptés aux réalités et aux nouveaux usages. Il s'agit de faire de la DGI une administration moderne, performante dans la mobilisation des ressources internes pour le financement du développement. Une administration orientée usager, conforme aux standards internationaux et aux normes de la bonne gouvernance. Pour le directeur général des impôts, la modernisation permettra aussi de mobiliser plus de ressources. Elle va par ailleurs permettre de réduire le temps perdu par l'administration et les contribuables. Ces derniers n'auront plus à se déplacer dans les centres d'impôts. Il va falloir tout simplement que les différents acteurs puissent l'accepter. Parce que du côté déjà des agents des impôts, notamment les percepteurs ou les agents de façon globale, ils se disent tout simplement que c'est un moyen pour l'État, l'autorité, de les empêcher tout simplement de continuer en fait, dans les différents mouvements de grève. Le second élément aussi, c'est l'adhésion au niveau tout simplement des différents contribuables, parce qu'il y a un système qui s'est déjà installé et donc au fil des ans, notamment donc, la corruption qu'on veut empêcher à travers cette plateforme. Pour l'instant, ce sont 15 impôts qui sont disponibles sur le portail e-Syntax. Pour rappel, pour l'exercice 2017, le Burkina Faso a collecté 673 milliards de francs CFA d'impôts sur une prévision de 720 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 93%. En 2018, des recettes de 918 milliards de francs CFA sont attendues par l'État burkinabé. La Société financière internationale appartenant à la Banque mondiale et le groupe Attijari Wafa Bank s'associent afin de soutenir le commerce et l'investissement sur le continent. Ensemble, ils vont étudier des projets d'investissement, notamment des petites et moyennes entreprises en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. À noter qu'au cours de ces 10 dernières années, la SFI a soutenu les investissements d'entreprises d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Afrique subsaharienne pour un montant de près de 1,4 milliard de dollars. Alerte rouge pour les caisses égyptiennes. Selon le département américain de l'agriculture, le gouvernement pourrait essuyer cette année une perte financière de l'ordre de 1,4 milliard de livres en raison de la lourdeur du mécanisme d'approvisionnement en blé. Le système d'appel d'offres égyptien engendre en effet des dépenses supplémentaires aux exportateurs qui pourraient se répercuter sur le prix d'achat final de la céréale sur le marché mondial. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain était en baisse de 0,22%. La bourse de Nairobi perdait 0,47%. Les marchés boursiers de l'île Maurice perdaient 0,04%. Et l'indice Gaborone chutait de 0,06%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,50%. La BRVM d'Abidjan augmentait de 3,03%. Et la bourse du Ghana augmentait de 0,31%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,50%, celui de l'Égypte augmentait de 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de votre fidélité. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.